Bonjour à vous. Je plonge tout de suite dans les sujets que je vais aborder avec vous. D'abord, au sujet de ma vision globale de ce qui se passe en ce moment. Pour vous en parler, je réfère à un ouvrage que j'avais déjà cité et qui avait valu la fermeture de ma chaîne YouTube. Alors, vous devinez peut-être de quel ouvrage il s'agit, mais récemment, je suis tombée sur un texte de Matthew Herrett qui parle de quelque chose qui ressemble à ça. En fait, le texte de Herrett parle d'un groupe de travail au sujet de la sécurité au Canada, mais historiquement, il fait référence à Cecil Rhodes, qui est un anglo-saxon, qui a laissé un testament dans lequel il exprime sa volonté de reconnaître d'abord qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres et la nécessité de soumettre certains pays à cette supériorité-là. Je vous résume ça là, beaucoup. Alors, si ça vous intéresse, vous irez voir le texte que j'ai mis en référence. C'est vrai que c'est une idée qu'on peut avoir lorsqu'on observe ce qui se passe, c'est-à-dire une minorité de personnes qui se prétendent supérieures et qui ont la volonté de soumettre les gens à la peur pour pouvoir mieux les diriger. Je pense à 1984, je ne sais pas si vous l'avez lu ou vous avez vu le film. À un moment dans le livre, dans le film, il y a cette idée qu'à la télé, on fait à croire aux téléspectateurs qu'il y a une guerre entre trois continents pour garder les gens dans la peur. Puis, dernièrement, je suis tombée sur, vous savez, le Forum économique à Davos. Vous savez peut-être aussi qu'il y a un forum économique qui s'appelle Eurasie. Puis, tout ça mis en lien, je me suis dit, ah, tiens, j'ai vraiment le sentiment qu'en ce moment, en ce moment, mais depuis un certain temps, un grand temps, on vit une situation dans laquelle il y a des gens qui se prétendent supérieurs et qui considèrent avec mépris le reste de la population, qu'ils comparent parfois à soit du bétail ou du moins des instruments de production. Et qui ont mis en place une société de production-consommation qui enferme la population, qui croient que leur vie doit être consacrée à travailler pour produire ou pour remettre des dettes ou pour consommer des produits qui sont l'ultime bonheur. Alors que lorsqu'on approche de la mort, on se rend compte que le bonheur, c'est des choses qui ne coûtent rien. Ça, c'est. Je vous résume donc ma perception de la situation bien globale, puis bon, si ça vous tente, vous pouvez partager votre perception à vous. Il y a en ce moment une tonne d'informations très positives qui circulent. Je peux juste vous en donner quelques exemples, mais ça me donne aussi l'impression qu'il y a une convergence d'informations, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble à se partager de l'information. Puis aussi une explosion, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis ça se rapporte peut-être au fait qu'on est à une étape après avoir été traumatisé, avoir été paralysé par la peur, bien, il y a des gens qui commencent à en sortir et qui acceptent de s'exprimer. Et ce qu'ils expriment va à l'encontre de l'histoire, là. Le show, le spectacle qui est monté. Et comme on entend un peu à gauche et à droite, bien, ça encourage d'autres aussi à parler. Je vous donne des exemples comme ça, là, rapidement. Sur Twitter, il y a John Gant qui revient sur la tentative de faire des amendements à l'OMS et qui supposerait que s'il arrive une prochaine pandémie, l'OMS a l'autorité d'imposer ses décisions sur les pays. Alors, il y a une quarantaine de pays en Afrique qui ont émis des réserves par rapport aux amendements. Et puis, il y a aussi d'autres pays. J'ai la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, Malaisie, qui s'opposent à ces amendements. C'est très positif.
dans un autre domaine, mais complètement différent, il y a à Montréal une rencontre qui est proposée aux professionnels, par appel aux professionnels, le 16 juin, pour les gens qui veulent briser l'isolement, qui veulent savoir comment se défendre face à un ordre professionnel qui les soumet au silence, par exemple. Marcus Anthony Ray de Missing Link est intervenu. Alors, c'est qui cet homme? C'est un Canadien de l'Ouest qui dit qu'il y a un grand groupe, là, il insiste sur le nombre, un grand groupe d'ex-militaires et d'ex-policiers qui veulent ramener la justice au Canada. Il parle d'insurrection populaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où la population décide que ça va faire, que ça suffit, que ça va trop loin. Et je vais appeler ça « choisisse où on arrive à vivre de l'indifférence par rapport à l'intimidation. » Pas de l'indifférence par rapport à la souffrance, là, qui viennent avec les mesures sanitaires, mais par rapport à l'intimidation qu'ils vivent. Et se prennent en main, font des actions qui peuvent influencer le reste de la population. Une autre personne, Théo Fleury, qui est une légende du hockey, qui est maintenant dans une organisation qui s'appelle Truth, Justice and Freedom au Canada. Puis il s'adresse aux gens en disant « Tout le monde sait là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est peut-être pas tout le monde, mais on se doute qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui est capable de se comparer à d'autres pays qui ont enlevé leurs mesures dites sanitaires. Puis il parle du trauma qui nous permet de comprendre, bien, il parle, glisse un mot sur le trauma. Alors c'est quoi le trauma? C'est cette grande peur qui a été vécue au début. Quand on a confiné les gens, puis on les a assis devant la télé pendant 2 semaines. Puis on peut comprendre que certains d'entre eux sont dans une période de post-trauma. Un post-trauma, c'est une expérience qui est difficile et qui fait en sorte que les gens peuvent même peut-être garder leur peur pour toujours. Alors, ça se répercute dans des comportements comme les gens qui portent le masque encore ou... J'entendais cette histoire-là, là, un membre du personnel soignant à l'hôpital qui disait, ben, dans le fond, on devrait garder cette habitude-là de porter le masque à l'hôpital. Le post-trauma, c'est une expérience qui nous amène en dehors de la réalité. Et la réalité, c'est que pour se protéger contre des virus, contre des maladies, on doit être en contact avec ce virus. Alors, c'est complètement absurde de vouloir maintenir le port du masque qui va provoquer des maladies, de la misère à respirer, d'autres maladies, et qui, en plus, va empêcher notre système immunitaire de développer les anticorps qui sont formés lorsqu'on est en contact avec les virus. Alors, on est dans une période de délire social pour certaines personnes, de post-trauma, puis il y a d'autres personnes qui réalisent que tout ça n'a pas de sens, dont vous faites partie probablement. Le trauma va créer la paranoïa. Une maladie, justement, qui fait que la personne n'est plus connectée à la réalité. Puis il y a Ariane Villerand qui en a parlé pas mal, si ça vous intéresse, de cette paranoïa. J'étais tellement étonnée d'entendre certaines affirmations de chefs d'entreprise et chefs politiques ou comportements. Je vous les partage parce que c'était cette étrangeté-là que je vis quand je vois ça, me parle de l'insécurité ou la perte de contrôle qui peut être vécue par ces personnes qui s'affirment. Alors, regardez, vous avez peut-être entendu Albert Bourla, qui est le PDG de Pfizer, dire qu'ils avaient un rêve qui était de diminuer la population mondiale de 50 %. Ils visaient 2023, je pense, puis ils ont réussi, dit-il, puis là, il est applaudi par les gens. Ça m'apparaît étrange.
de dire ça publiquement. Je continue avec d'autres exemples. Davos, Klaus Schwab, qui dit que c'est eux là, qui décident pour le monde. C'est eux qui créent le changement, là. Il y a aussi, au Québec, la protection incroyable de Legault dans une réunion de son parti à Drummondville. Il y a quelque chose de disproportionné, d'inapproprié dans ces faits-là que je vous raconte. Bon, un autre, c'est vrai, j'ai pris ça en note, un selfie que Trudeau prend en Ukraine, un pays qui est en guerre. Ou encore Bill Gates qui dit « Cette idée-là de vérifier si les gens sont vaccinés, à quoi ça sert s'il y a quand même des infections chez les gens vaccinés? » C'est des éléments assez surprenants. Puis si je réfère, imaginez que ces individus-là sont dans mon bureau. sont dans mon bureau puis que j'ai des connaissances en psychologie. Bien, je supposerais qu'ils vivent une période d'insécurité. Un besoin de ne pas échapper toute leur troupe, de les accrocher à un espoir. Il y a à la fois, me semble-t-il, un sentiment de perte de contrôle puis un désir de retrouver ce contrôle-là. J'avais envie de vous partager cette petite analyse que j'ai faite parce que c'était tellement surprenant. Bon, si je reviens sur Gates, pourquoi il dit ça? Ça peut supposer aussi, mais on ne le sait pas, c'est une hypothèse que ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire qu'ils ont injecté une bonne partie de la population mondiale et ils supposent que ceux qui ont eu l'injection, mais pas un placebo, ont peut-être créé le tort qu'ils voulaient quand ils parlent de dépopulation, par exemple. Et ou encore que la prochaine étape, on est rendu là, puis que c'est la surveillance par l'identité numérique qui pourrait fonctionner avec ces injections-là. Alors, tu sais, on peut faire plusieurs hypothèses, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent penser et vivre ces gens-là. Dans les bonnes nouvelles, je reviens là, parce qu'il m'en restait, que j'ai pris en note, là, il y a l'affirmation du directeur général de WestJet. Qui invite à retirer les restrictions reliées au déplacement au Canada, puis des membres des compagnies aériennes qui disent, ou des aéroports qui disent, écoutez, ça provoque tellement de ralentissement, ça n'a plus de sens quand on compare à ce qui se passe ailleurs. Là. Il faut arrêter de maintenir ces restrictions-là. Il y a aussi en Ukraine des soldats qui désertent, qui disent, bien, les armes que vous nous fournissez, ce n'est pas approprié pour se battre contre la Russie. Puis je pense, une autre chose que j'ai notée, c'est Ronald Maranger, qui a déposé une poursuite à la Cour internationale de la Haye, supportée ou soutenue par le Costa Rica, qui atteste que le document qui est déposé, il contient des informations vraies et ça porte sur la gestion des CHSLD et le fait qu'il y aurait des responsables de la mort de ces personnes âgées. Et j'espère que mon message va se rendre jusqu'à Ronald. Merci beaucoup. Parce qu'il a fait ce que d'autres avocats n'ont pas pu faire parce qu'ils étaient soumis au silence par leur ordre professionnel et c'est un travail immense qu'il a fait. Je pense aussi à Laura Lynn, c'est un autre exemple là, de choses qui se passent en ce moment, qui nous raconte l'incident qu'elle a vécu quand elle a traversé les lignes des États-Unis au Canada. Et elle nous montre son passeport en disant, « Voyez, première page du passeport canadien, ça dit que la personne à qui on montre ça là, doit nous laisser circuler librement. » Et puis, bon, l'incident qu'elle a vécu se termine par un douanier qui lui dit, « Ben, il n'y a rien qu'on peut faire pour t'empêcher ou pour te soumettre à quoi que ce soit. » Alors, c'est très intéressant. Tout ce mouvement-là de bonnes nouvelles, d'affirmations, d'incidents nous amène à dire quelque chose qui ressemble comme à ça, là, c'est on a perdu confiance aux politiciens, aux médias, aux institutions professionnelles. Puis on a développé peu à peu, puis de plus en plus, cette indifférence à l'intimidation. Puis on va s'en sortir, puis on va s'affirmer. Puis c'est nous qui allons le faire. Puis pour parler de c'est nous, j'ai
J'ai deux choses à raconter. C'est, d'une part, on peut contribuer à freiner cette transition-là, ce changement très positif. Et par ailleurs, il advient de toute façon. Alors, je vous en parle parce que des fois, c'est intéressant de comprendre comment on peut réfléchir à nos limites personnelles, à notre contribution, à ces freins ou ces obstacles pour un changement qu'on désire par ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, c'est le genre d'information que je vous partage qui peut être, qui peut créer de la réaction, des réactions chez vous, parce que dans ce qu'on a vécu durant les 2 années, on était confrontés à des informations qui nous choquent et face auxquelles on est fermé, puis après on réalise, waouh, c'est vrai, puis là on s'ouvre. Puis c'est la même chose quand on reconnaît certaines limites personnelles, on peut être fermé. Puis en plus, après réfléchir un peu puis réaliser que ouais, mais c'est peut-être vrai. Alors, parmi les freins qu'on met personnellement à ce qui se passe, c'est on peut continuer malgré tout à participer à cet ancien monde-là qu'on veut voir s'effondrer ou qu'on voit s'effondrer. On y participe comment? En continuant d'aller acheter dans des grandes surfaces, en commandant sur Amazon, en transportant notre cellulaire quand on va marcher dans le bois, en continuant de croire au système politique actuel qui a été construit sur la base d'une opposition qui fait croire que l'opposition va apporter le changement. C'est pas facile. Mais on est vraiment dans une position en ce moment où on a une part à jouer. Et jouer ça, là, jouer ce rôle-là, ça demande un effort. Ça demande de sortir de nos vieilles habitudes, de nos vieilles pantoufles, de faire quelque chose de différent. Comme peut-être de participer à une réflexion sur un système politique différent, d'établir des ententes avec des commerçants locaux, jardiner soi-même. Une autre habitude ou un autre frein qui peut reposer sur une limite personnelle, c'est lorsqu'on se tait. On a subi cette intimidation-là et on a cessé de parler pour certains d'entre nous. Pas tout le monde. Mais il y a moyen de s'affirmer, comme plusieurs le font en ce moment, j'entendais une médecin raconter comment on lui avait demandé de changer un acte de décès pour dire que la personne qui est morte naturellement était morte de la COVID et qui a résisté à cette demande-là. Et elle s'est affirmée et ça fait en sorte que d'autres médecins vont pouvoir raconter ça. Alors pour nous, c'est la même chose. Parfois, on peut se taire pour des choses qui doivent être dites, des choses naturelles, comme mon enfant a besoin de respirer. Ou mes parents veulent que je sois près d'eux. C'est la sécurité affective dont ils ont besoin dans les dernières années de leur vie. Et si vous leur enlevez ça, vous enlevez même le sens de leur vie. On peut dire, j'ai perdu confiance dans ces chefs politiques qui se contredisent. On peut dire, je crois en autre chose maintenant. Je crois que les gens, le peuple, la population, ont la capacité de construire quelque chose de différent qui les amène à vivre plus d'harmonie, de paix, de bonheur. On peut s'affirmer et on peut être dans l'action. Un autre frein, c'est de participer à cette soumission à la peur en partageant des nouvelles qui font peur. Dans toutes les nouvelles qui circulent, vous savez différencier celles qui ont un effet sur vous et qui créent la peur, puis celles qui vous encouragent à être dans l'action, qui vous donnent l'espoir. Et vous pouvez choisir lesquelles vous partagez aux autres. Parce que tout ce qui maintient les gens dans la peur ou ce qui maintient les gens dans le système politique actuel fait partie du système, a été créé par le système. Et ce qu'ils veulent, c'est nous diviser. Ce qu'ils veulent, c'est nous maintenir dans la peur. Alors, je ne sais pas si ça peut vous aider de vous dire que lorsque, par exemple, vous utilisez des étiquettes
On nous a appelés des complotistes, mais à notre tour, on a appelé les gens des moutons, où on dit qu'ils étaient endormis par rapport aux éveillés. Ça, là, ça maintient leur volonté de nous diviser. Alors, quand on se dit ça, hey, je suis en train de faire ce qu'ils veulent que je fasse. C'est faire à croire aux gens là, qu'on n'est pas tous dans le même bateau, puis qu'on est vraiment deux gangs très, très différentes. Puis qu'on n'a pas tous subi ces mesures dites sanitaires. C'est vrai qu'on a des différences, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est plus pareil que différent. C'est qu'on est des humains et on crée cette humanité-là. Et on a tous, pour la plupart d'entre nous, on a un désir très profond de bienveillance. Alors, c'est différents freins qu'on peut propager, nous aussi. Puis, on a tout avantage à réfléchir, puis avoir l'humilité de constater jusqu'à quel point ça peut être difficile pour nous, puis jusqu'à quel point on peut être mûr pour faire un changement dans nos comportements, puis contribuer à cette transition. Malgré tout, ça avance. C'est ça qui est intéressant, c'est que plus il y a d'oppression, plus il y a un désir de liberté. Plus on vous dit de vous taire, plus il y a des gens qui vont parler. Plus on vous empêche de faire des choses, plus vous allez avoir le goût de les faire. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a un grand mouvement de libération, on peut dire, de révolution, une forme de révolution du peuple par le peuple. Et comment on voit ça? C'est dans des gestes subtils qui sont quasiment inaperçus, qui passent quasiment inaperçus. Je réalisais qu'il y a des groupes de citoyens qui n'attendent pas qu'on leur offre des activités sociales et culturelles par la municipalité, par exemple les CRE. Ces gens-là les CRE par eux-mêmes. Il y a l'école à la maison, pour moi, là, ça représente ce mouvement-là. C'est très, très symbolique d'avoir décidé de reprendre en main une dimension de notre vie qui est si importante, l'éducation, d'avoir décidé que c'est les parents qui allaient s'en occuper. Et je sais que dans certains pays, c'est interdit. Pour vous montrer comment on est dans le monde à différents endroits, dans notre possibilité, capacité de s'affranchir, puis en même temps, des efforts qu'on doit faire parce qu'on part plus ou moins loin dans cette progression vers une société mondialiste. On va dire ça comme ça. Les médias, ce partage d'informations, là, c'est incroyable. C'est incroyable, tous ces gens qui sont mobilisés pour souvent bénévolement partager leurs connaissances. L'entraide sur des choses bien, bien concrètes. On peut s'attendre à une diminution de notre capacité de répondre à nos désirs qui sont devenus des besoins. Je reviendrai là-dessus. Et face à ça, nos besoins de consommation, et face à ça, on est en train de développer une capacité de s'entraider, de partager des ressources. Alors, j'ai envie de vous parler de prise de conscience, pour terminer, que j'ai fait, et qui peuvent être confrontantes, parce que ça illustre vraiment là où on est rendu. Et ce qui m'amène à réfléchir à ça, c'est deux expériences que je vis. Puis je partage ça un peu en vous demandant où est-ce que vous êtes rendu par rapport à ça. C'est d'une part, j'ai perdu complètement la peur de la mort. C'était théorique, il n'y a pas si longtemps, parce que je lisais des témoignages de gens qui étaient morts cliniquement, revenus à la vie, qui avaient perdu cette peur-là. Mais là, en ce moment, je le vis comme vraiment une intégration. J'ai absolument plus peur de la mort. Et j'ai aussi une grande confiance en la vie, qui est de plus en plus intégrée. Confiance en la vie qui me dépasse et qui détermine mon existence en grande partie. Et ces deux éléments-là me libèrent, me permettent de sortir d'un monde dans lequel j'étais enfermée, un monde matériel. Alors, je vous explique un peu pourquoi. Parce que je m'amène à réfléchir à des choses qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de réfléchir à ça. Et je le fais assez naturellement en observant, entre autres, les oiseaux. Je vous raconte ça parce que c'est important pour moi
de vous dire d'où ça vient, cette réflexion. Alors, j'observais les oiseaux, entre autres, puis j'ai remarqué qu'ils passent beaucoup de temps à chanter le matin, le soir, ils s'amusent beaucoup. Ils se nourrissent, ils préparent leur nid, puis à un moment de l'année, ils enfantent. Mais c'est essentiellement ça qu'ils font. Puis là, je me disais, c'est quand même bien particulier que nous, les humains, on passe tant de temps à travailler, puis qu'il y a une proportion, mais très petite, de nos journées qui est consacrée à s'amuser, par exemple, à se divertir, à chanter. C'est quand même étrange. Comment ça se fait? Et là, c'est pas si vous réalisez comme moi qu'on était vraiment enfermé dans un système avec l'idée que notre vie doit être consacrée à ramasser de l'argent pour payer une dette et des produits de consommation qui sont l'ultime bonheur. Et que ça se résume à ça. Et que si on réussit à diminuer nos besoins, qui sont en fait des désirs créés, bien, on n'a plus la nécessité de travailler autant. Puis, je reviens aux produits de consommation, puis je reviens aussi à mon observation de la nature. Je réalisais que les insectes et les animaux en général passent beaucoup de temps à se laver. Pourquoi ils font? Bon, probablement, c'est une question de survie parce que, bon, l'insecte doit s'assurer qu'il n'y a pas de résidus qui l'empêche de voler, par exemple, pour se nourrir. Bon. Mais les insectes et les animaux se lavent avec de l'eau ou avec leur salive. Enfin, je me disais, quand même étrange que nous, on a acquis l'idée qu'il fallait se laver avec du savon et des shampoings. Là, j'ai fait une expérience. Ça fait plusieurs mois maintenant que je fais comme les animaux, je me lave quotidiennement avec de l'eau. Et puis, je remarque que c'est bon pour mon corps, que ma peau est moins sèche, mes cheveux aussi sont moins secs. Et que personne ne le remarque autour de moi, c'est-à-dire que je ne sens pas mauvais. Mais je réalisais comment c'était difficile pour nous à cause des jugements qui sont provoqués par tout ce système-là où on dit qu'on doit utiliser des produits d'hygiène quotidiennement pour faire partie de cette société et que c'est difficile d'aller dans le sens inverse ou d'essayer autre chose. Voyez comment on est endoctriné, comment c'est difficile de sortir, mais qu'on peut le faire. Qu'est-ce que je remarquais aussi? Je circulais dans la ville, puis je voyais des commerces, une pharmacie, des magasins de vêtements, des restaurants. Puis aussi, je me disais, y a-t-il moyen de réduire ça dans un magasin général avec les produits essentiels? Parce que sur le plan de la médecine, on peut trouver dans la nature, cultiver, cueillir des produits qui nous aident et devenir moins dépendant des produits pharmaceutiques. Pour les vêtements, est-ce qu'on peut réaliser qu'on a acquis l'idée qu'il fallait changer de vêtements en suivant la mode plutôt que le faire quand nos vêtements sont usés? Puis pour les restaurants, c'est la même chose pour les spectacles, tout ce qui concerne l'art. On a acheté, c'est le cas de le dire, l'idée que pour participer à l'art, pour voir de l'art ou pour manger, c'était bienvenu d'acheter des repas tout faits ou encore de payer un ticket pour aller voir un spectacle, alors que de plus en plus, les gens découvrent que l'industrie du spectacle, par exemple, c'est un univers fermé sur lui-même, c'est-à-dire que on doit payer pour s'asseoir passivement puis assister à une représentation. Puis les gens qui donnent cette représentation sont prisonniers de subventions qu'ils reçoivent du gouvernement, qui leur disent de se taire s'ils veulent continuer à recevoir cette subvention-là. Et
Maintenant, il y a des groupes de personnes qui se rassemblent pour faire de la musique ensemble, pour chanter, danser, faire de la poésie, et qui sortent de ce système-là. Pareil, il y a des gens qui se rencontrent pour manger ensemble chez eux, dans un contexte qui est chaleureux. Ça se fait en ce moment. On est dans cette transformation-là. Même si pour certains d'entre nous, à certains moments de notre évolution, on doit réfléchir, on doit faire des efforts, puis on doit développer cette indifférence face à l'intimidation. Je termine avec une idée qui concerne une dimension de notre existence dont on parle si peu, qu'on n'a pas appris à l'école, et qui constitue pour moi les fondements d'une société de l'avenir. Et je vais partir d'une question que je me suis posée cette semaine, qui est comment ça se fait que nous, chaque humain, on est si petit? Compte tenu de notre petitesse, comment ça se fait qu'on a accès à une conscience immense? Qu'on a l'impression que notre conscience dépasse notre petitesse. Puis, bon, je réfère à toute notre compréhension de la physique. Mais évidemment, de bien d'autres domaines qui touchent à ce que je vais aborder là, mais imaginons que pour la physique traditionnelle, on a conçu l'espace et le temps d'une certaine façon basée sur un monde matériel. La physique quantique est arrivée en disant « attendez ». On fait l'hypothèse que le temps et l'espace, ce n'est pas tout à fait comme on pense. Le problème de la physique quantique, à mon avis, c'est de s'être reposé sur des instruments de la physique matérialiste pour observer l'invisible. Et on doit sortir de ça. Et entre autres, on utilise des mots encore en physique quantique comme, qui réfèrent à l'espace et le temps comme la trajectoire avec une vision plutôt linéaire. Et je reviens à cette idée-là de petitesse puis d'accès à la conscience et je me dis peut-être qu'une autre façon de voir l'existence, la vie, l'univers, c'est d'imaginer que le micro, c'est le macro. C'est une représentation de la même réalité et que la conscience est dans chaque être vivant, de la plus petite cellule à l'univers. Et tout est être vivant et donc tout est conscience. Et ben moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous amène à voir les choses très autrement, comme on n'est pas nécessairement relié à ce qui nous entoure, mais on est ce qui nous entoure. La notion de cycle, pour moi, est importante, qui confronte cette idée du fait que c'est linéaire. Non, ce n'est pas linéaire. Il y a quelque chose qui se reproduit là, et qui se manifeste, entre autres, dans notre respiration. Quelque chose de répétitif, de continu, de sans fin jusqu'à la mort. Mais aussi notre battement de cœur, les vagues sur la mer qui reflètent ce même cycle. Et aussi, je regardais les cernes dans un tronc d'arbre qui montrent son évolution. Ah, il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus continu, sans début, sans fin, et qui se manifeste dans notre existence. Et on a tout avantage à nous intéresser à ça. Et c'est pareil pour ce que je pourrais appeler la biologie du vivant ou la manifestation ou l'organisation de la vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on remarque à peine parce que notre attention est tellement portée sur le monde de la consommation qui occupe 90% de notre vie est consacrée à travailler, consommer. Ou s'amuser dans cet univers-là, alors qu'autour de nous, il y a une école de la vie. Si on prend le temps de regarder une feuille, une fleur, un brin d'herbe, un arbre, un oiseau, on peut apprendre sur la vie, sur nous-mêmes. On est impressionné. On se dit, mais comment ça se fait que ça existe? Comment ça se fait que c'est fait comme ça? Que ça survit sans notre contribution, nous les humains, et même que ça continue de survivre malgré le tort qu'on cause à la Terre. Les éléments de la Terre, l'eau, le feu, l'air, la Terre, c'est quand même mystérieux. Ça nous échappe parce qu'on ne s'y attarde pas. Et il y a une dernière dimension que je vais aborder qui est omniprésente, mais on s'est tellement désintéressé
de tout ça qu'on nous a dit c'est mauvais même. Puis là, de quoi je parle, c'est les sentiments, les émotions. On nous a dit c'est mauvais de pleurer, c'est mauvais d'être en colère, c'est mauvais d'exprimer nos émotions en public. On se sent tout mal quand, par exemple, on a devant nous quelqu'un qui est généreux, puis on se dit « Oh, on est inconfortable devant cette générosité, cette bienveillance. » Voyez comment on est rendu maladroit dans quelque chose qui fait partie de la vie et qui est associé à un pouvoir, une force incroyable, la force de l'amour, la puissance de la bienveillance qui est transformateur, qui est créateur. Et bon, on est plusieurs à se questionner sur les liens qui nous unissent avec l'existence, la vie, nous les humains. Est-ce qu'on est, à travers nos projections, un créateur de la vie ou est-ce qu'on est un récepteur de cette vie? Je continue de porter cette réflexion et peut-être que c'est les deux. Et c'est les deux à travers nos émotions, nos sentiments. Notre conscience chargée d'émotions. Et c'est ce qui fait qu'on est transporté quand on écoute une musique, un chant. Alors, c'est là-dessus que j'ai envie de terminer ma vidéo. Encore une fois, en vous disant merci d'être dans cette existence. Merci de m'aider, de m'accompagner, d'accepter mon accompagnement aussi, parce que j'ai le sentiment qu'on avance ensemble dans une compréhension totalement différente de l'univers de la vie, qui est cette conception de l'avenir que j'entrevois. Merci à vous. Merci pour la contribution que vous faites pour éclairer les gens qui vous entourent dans votre désir de ne plus vous taire. Merci pour tout ce que vous faites. Puis à bientôt.